Lorenza, vous avez vu Chim sauter? Pardon. Lorenza, pardon, 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 c'est l'émotion. Pardon, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Pardon, Lorenza, pardon, Lorenza, pardon. Mais attendez, je me fais larguer et en plus on me frappe. Non, 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 Lorenza, 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 doucement, doucement, enfin. Ça va? Ben, il va être dans le coma. J'essaie de sauter cette putain de barrière. Il remonte? Ouais, il est remonté. Il est remonté, après, je sais pas où il est maintenant. Chapeau. Non, il va revenir, il va revenir. Voilà, là maintenant. Il va. Moi, je pense qu'il va. Ah, je vais m'asseoir ici. Et vous allez me chercher, Tim. Bah, ouais, moi je sais nager, moi, y'a pas de problème. C'est encore les couteaux qui nous cassent les couilles. Hein. Bah, monsieur Torres. Dites-moi, dites-moi. Oui. Pape, c'en est trop, hein. En plus de ça, vous m'avez frappé, alors que c'est moi la victime dans l'histoire. Dites, je n'ai pas fait exprès du tout, je suis en train de perdre complètement la boule, là. Hein? Qu'est-ce qui se passe, cher ami? La boule. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, cher ami? Je m'allume un pétard. Ah bah moi... Oula. Ah. Patron Fab. Vous allez bien? Patron... Oh mais là, instantané ce pétard. Patron Fab. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dit... Il a allumé son pétard et puis il a... Ah là, c'est... Il y a une mouette sous le banc. Oula. 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 Ah oui, ça a pas l'air d'aller. Fab. Je vais arriver à Fab. Mais Fab, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Il s'est mis, qu'est-ce qu'il a? Il s'est allumé un pétard, il est tombé dans les pommes. Mais oui. Qui a fait le pétard de qui? Qui a foncé les mois de rachat? Quand on parle à une des journaux, ça va niquer. Pour la boîte, pétard. T'es chiant. J'ai pas fini un message. Oh là là. Bonjour. Qu'est-ce? Bah ça m'étonne même pas que ce soit vous. Asseyez-vous et relevez-vous. M'entendez? Oui. Pour vous asseoir et vous relever. Vous m'entendez? Oui, j'ai besoin de temps. Asseyez-vous. Je... Ça sera au sol. Je... Vous m'entendez ou pas? Je vous entends, je vous attends, je vous attends. Okay. Votre téléphone fait F1. Vous faites une animation de vous asseoir. Prenez une pause. Assis au sol. Voilà, là, vous vous relevez. Normalement, vous allez toucher terre. Ah, je voyais la lumière. Je voyais la lumière, je comprenais pas. Oh, qu'est-ce que pas. Oh, le peignoir. Il me va bien ce peignoir ou pas là? Vous pouvez le garder, hein, pas de soucis. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh ben, écoute. Vous travaillez pas avec la police? Pas du tout. D'ailleurs, vous m'avez menti tout à l'heure. C'est-à-dire? On vous a dit que vous n'étiez pas passé il y a 2 heures à l'SES. C'est pas un petit problème cardiaque par hasard? Bon. Oh, ok. Dis qu'il n'est pas passé pour un problème cardiaque. Non, j'ai pas... Non, enfin... Je crois qu'elle arrive. Ah non. Oui, chérie. Oui. Vous avez dit oui, chérie? Attendez, oui, chérie. Je suis... Tu m'entends pas? Attendez, je suis impatient qui a des problèmes ici. Là, vous appelez votre, oui, votre femme, votre homme comme ça, là? Mais attendez, on est... Non, mais attendez, oui, c'est un scandale. Moi, je vais péter un plomb. Mais attendez, non. Ça peut pas oui, se passer pas comme ça. Non. Et on ne s'enfuit pas de l'ETX. Non. Et
Dites-moi, pourquoi vous appelez votre femme ou votre homme alors qu'on est en train comme ça là de... Hein, j'ai un problème. Parce que... Ah. Voilà, voilà pourquoi. Ah. Ah. Monsieur Torres. Bonsoir, Gabriela. Rebonsoir. Rebonsoir, Gabriela. Comment allez-vous? Moi, plutôt bien. Et vous? Eh ben moi, écoutez, jusqu'à ce que je fume... Parce que bon... Je fume? Alors, vous n'avez aucun lien étroit avec la police. Et vous avez un secret professionnel à respecter en permanence. Évidemment. Bah, on est bien d'accord. Bon. En gros, il s'est foncé avec des ouanges, puis il est arrivé ici. Non. alors là, je vous prie vraiment de... Non, je ne veux pas qu'on parle à ma place. Je veux pas... Non, écoutez, c'est moi le malade. Non. Je voudrais le mensonge que vous m'avez donné tout à l'heure. Moi, jamais. Non. Écoute-moi. Moi, j'ai respecté ma part du marché, j'ai rien mis dans le dossier, il était même pas au courant de ce qui vous est arrivé tout à l'heure, alors que c'est le directeur, et vous m'avez menti. Non, écoute-moi, non, il faut m'écouter. Bon, je vous j'écoute. Promets, il s'est passé énormément de choses, et il y a malheureusement une personne avec qui j'ai des liens un petit peu particuliers et personnels, qui s'appelle Chim, qui a sauté dans la mer, et je ne sais pas ce qu'il en est. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai fait une soirée où un inconnu, pour le coup c'est réel, m'a donné un pétard. Je ne fume pas habituellement, je ne fume absolument jamais, et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est-à-dire que sur le coup du stress et de l'énervement, je me suis dit tiens, allumons-nous le calumet de la paix, exactement. Et ben le dernier souvenir que j'ai justement en tête. C'est moi, avec le briquet, en train de l'allumer. D'accord. Et ensuite, c'est ici. Et ensuite, c'est ici. Parole d'honneur de Marseillais sur la bonne mer. Oui. C'est compliqué. Et d'ailleurs, il l'a goûté puisqu'il a bu la tasse tout à l'heure. D'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on lui fait alors? Ben, ce qu'on me fait, c'est que... Allez, vous arrivez quoi concrètement? Bon, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que vous arriviez ici? Vous n'avez pas de souvenir du tout? Maintenant, il dit j'ai allumé mon pétard et j'étais là. Mais je sais, c'est improbable. On a l'impression voilà, que je me fous de vous, que voilà, à que peine. J'ai comme. Non. Vous êtes tombé sur les deux meilleurs, je vous dis déjà. Je ne consomme pas de ces conneries, je ne consomme rien du tout. Ce soir, je n'ai même pas bu d'alcool, j'ai rien fait du tout. Je me suis allumé un pétard pour l'une des premières fois de ma vie pour... Parce que voilà, le moment était particulier. Comment ça? Pardon? Je crois que je l'ai intercepté. Non mais vraiment. Qu'est-ce que... Quoi? Non, rien. Qu'est-ce... Vous n'avez rien vu, j'ai oublié ce qui vient de se passer. Vous me dites pas que vous faites des trucs dans mon dos, là? Jamais, on était en face. Jamais, je ne permettrai pas. D'accord, donc du coup, ça va être compliqué. Il faut qu'on analyse ça, par ça. Vous avez des... Ça fait depuis toute la soirée qu'il se gratte là derrière. Il y a non. Un truc. Non. Alors... Si. On va peut-être faire une petite consultation, histoire de voir s'il n'y a pas... Ah. Des... Non, mais regardez, hop. Regardez, je marche. Regardez, je fais le tour de la pièce. Non, mais regardez. Hop. Je me mets ici dans la pièce et regardez, je longe les murs comme ça. Hop. J'arrive ici, hop. Tac. Et donc je marche finalement. Et donc je suis en forme. Hein? Parce que finalement, un humain qui marche, c'est un humain en forme. Oui, hein? Mais ça gratte. Non. Moi je vous dis un petit frottis, une analyse et on est bon. Attends, y a l'agent Paul Marc qui m'appelle. Ah. Oui, j'arrive. Non. Non. Moi, je vous cache pas que... Je sais pas, y a... Je vous le rappelle, hein, si jamais vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous faites? Bah, frottis. Qu'est-ce que... Hop. Là. C'est bien rouge, hein. Ah bah... Ok. Alors, hop, j'ai la main vite sur le labo, j'arrive. Oui. Ah.
Alors, c'est bon, il n'y a pas de verre. Ah, il est parti faire les analyses, du coup. Allez. Non, mais il a fait le frottis, mais non, il n'y a pas de verre, mais tout va bien, mais arrêtez. Mais c'est étrange, quelqu'un qui passe son temps à se gratouiller comme ça. C'est... Mais... pensez ce que vous voulez. Enfin, ce que moi je dis, c'est étrange de se balader avec une casquette dans l'assiette. Enfin, voilà, moi, c'est... Eh, c'est quand même particulier d'avoir une veste rose avec... Enfin, voilà, et pourtant, j'aime bien, j'adore. Attention, ça va super bien, c'est pas le sujet, mais... Excusez-moi, vous parlez très fort. Ah oui, excusez-moi. Ah, ça, oui. C'est mon... C'est dans l'hôpital, toujours. Secret professionnel. Mes origines... Excusez-moi, mes origines aussi du sud-est me font un peu gueuler en permanence, pardon. C'est ça. Ouais, ouais. D'accord. T'en bon, bah du coup... Je fais le frottis. Chlamydia. Pardon ? Chlamydia. T'as mon antibiotique ? Et comment j'aurais pu... Expliquez-moi. Alors ça, je suis pas dans votre vie intime. Et ben moi j'y suis. Et donc j'ai bien envie de vous demander comment j'aurais pu. Hein ? Ça fait longtemps que ça gratte. C'est pas question. En plus, c'est hyper répandu en Europe. Bah oui. Bah, c'est... Et donc c'est marrant. Donc maintenant on a vraiment des médecins, ils se foutent de notre gueule, quoi. C'est-à-dire que un jour il y a un mec qui va arriver, il va me dire ah, vous avez un cancer parce que vous avez trop fumé, ah, ça va vous faire marrer comme ça. Et moi je me retrouve comme ça, je m'évanouis parce que j'ai fumé un pétard et vous foutez de ma gueule parce que j'ai une chlamydia. Genre c'est marrant. Genre le... Bon, déjà numéro 1, vous allez baisser d'un ton. Numéro 2, j'ai une soirée très chargée. J'essaie d'évacuer un petit peu comme je peux. Oh voilà, je suis désolée. Attends, t'étais pas sur une île avec des gens qui sautaient à 40. Mais attendez, vous doutez bien que c'est un peu la merde. J'ai pas une chlamydia, mais comment j'ai pu choper une chlamydia? Mais c'est pas possible, une chlamydia. Excusez-moi. Plus, du coup. Est-ce que vous pouvez me faire un rappel de la transmission de la chlamydia? Non mais il y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Ben, non mais dites-moi simplement comment s'attrape la chlamydia. C'est une MST. Non, c'est pas une MST, c'est une IST. C'est pas une IST, c'est une infection. Bon, donc dites-moi, il faut avoir donc approché plus ou moins loin, on va dire, les parties génitales d'un ou d'une personne. Oui. Oui. Alors, pas forcément, ça peut être buccal aussi. Oui. Oui, mais buccal, partie génitale ou... C'est oral, anal ou vaginal. Oui, donc je peux vous certifier que je ne sais pas comment j'ai pu choper cette chlamydia. Voilà. N'ayant pas eu de relation sexuelle depuis maintenant 8, 9, 10 ans. Voilà. Oui. Bon, en même temps, si vous l'avez jamais traité, ça peut être d'aussi loin, hein. Je pense qu'à un moment donné, il se serait senti un peu mal. Hein. Bah, attends, maintenant, vous avez dit gratte comme ça, et je l'ai vu se gratter toute la soirée. Hein. C'est longtemps que vous grattez. Ah, ouais, quand même. Attends, je vais chercher des antibiotiques. Est-ce que... oui. Est-ce qu'on peut se renseigner sur les moyens de transmission de la chlamydia ou faire un petit test On va peut-être, je vais peut-être pousser la recherche, mais pour moi, chlamydia, c'est une IST. Donc voilà. Après, vous avez quel âge? Attendez, je vais voir. 49 ans. Pardon? 49 ans. Mais... Ah, vous trouvez que je fais un peu plus jeune, ouais? Non, votre dossier me dit 42. Alors? Pas 42. C'est le dossier un peu erroné. C'est une connerie. Ah. Ouais, je vois ça. Donc, je vous donne un antibiotique à prendre. Je vais mettre, hop, parce que madame a le bras long. Voilà. Et puis, vu qu'on aime la prévention, hein, un préservatif. Mais... Ah, alors, un préservatif. Et ça, c'est de ma part. Tenez. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais il l'a pas eu. Ah, c'est toi qui l'as pris? Oui, je le donne, c'est bon. Non mais attendez, vous me donnez un préservatif et vous savez que ce préservatif, ça va servir vraiment de bomba ou quoi? Enfin, c'est vraiment la réalité de ce qui va se passer. Je vais essayer de faire la plus grande bomba ou de l'histoire de Los Santos. Voilà, c'est et un lapin de Pâques. Non mais attendez, c'est chocolat, c'est un peu de douceur. Bah oui, un peu de douceur dans ce monde de brut. Bah oui. Bah c'est super sympa pour ce lapin de Pâques, mais pour ce qui est de les fesses. Est-ce que je prends maintenant le l'antibiotique, ouais. Bah après, c'est pas automatique, hein.
Ça arrive. Okay. J'ai l'impression. Et j'ai du mal à courir, ouais. Depuis pas mal de temps, j'ai un peu du mal à courir. Mais là, en même temps, on n'a pas fini le traitement, donc forcément, il peut rien faire. Ah, bien sûr. Ah bien oui. Sûr. C'est bon, c'est bon. Et là. Ah. C'est bon. Ah, j'ai l'impression de retrouver un peu ma... Ah, ben l'antibiotique, il a été automatique, là, pour le coup. Hein. Ah. Et on peut bon, vous voulez garder le peignoir avec la cachoussette? Mmh... C'est comme à l'hôtel, hein, on peut le garder. Vous me trouvez comment, dedans? Eh, pas mal. Mmh, pas mal. Une note sur 10? 7,5. Mmh. Bah, t'es sympa, toi. Ah. Mais oui, mais en même temps, je préfère ça qu'un caleçon. Ah, j'avoue. Ah. Caleçon, j'étais à 5,5. Ah. Donc là, on passe à 7,5. Génial. On rajoute un chapeau et on est à 8,5. Ah. Mmh. Donc, Bon, je vais rester comme ça, non? Ok. Mais... Il y a des boutiques de vêtements, hein, s'il faut. Non, vous en faites pas, On est bien. Après, vos affaires sont dans la commode derrière. Hein. Si vous voulez vous changer, libre à vous. Ah. Non, je vais rester mais comme ça. Mais vu que vous aviez l'air épaté quand vous êtes arrivé de voir ces vêtements-là, je voulais... Ah oui voir. Moi, je trouve que ça me va justement plutôt bien, oui. Effectivement. Ah, c'est un collecteur en plus, hein, les claquettes. Hein. Claquettes chaussettes, il n'y a que ici que vous pouvez les avoir. Il n'y a qu'ici que vous pouvez les avoir. C'est magnifique. Claquettes et chaussettes, c'est sublime. Mm-mm. Vous. Comme je vous ai dit, j'ai une personne qui me... Bref. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Tim? Tim, non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Tim. Non. Ok. Bon. Désolé. Voilà. Bah écoutez, vous allez pouvoir... Ah, ça recommence. Est-ce que vous... Quoi me... Est-ce que vous... Ouais, faut laisser le temps antibiotique de faire effet aussi. Est-ce que vous... Mm-hmm. Oui. Est-ce que quoi? Allô? Oh, monsieur Foub! Kim! Vous m'avez fait peur, vous êtes où? Tu peux me tutoyer, moi c'est Fab, hein? Oui, mais vous savez, depuis l'histoire de pas de tutoiement avant la sodomie de Vanessa, je fais attention. Ah! Oui. Ça en est où, Vanessa et sa sodomie? Je sais pas, Vanessa est partie, je crois, donc je sais pas si ça va avancer sur ce terrain-là. Bon, d'accord. Oui. Bon, super. Et vous êtes où? Vous allez bien? Eh ben écoutez, moi j'ai fumé un pétard. Comment ça vous avez fumé un jour? Non. C'est une longue histoire, j'ai fumé un pétard, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ah bah on arrive. Et ils m'ont détecté une chlamydia. Comment ça vous avez détecté une chlamydia? Et je... Comment ça ils vous ont détecté? Oui. Voilà, j'ai fumé un pétard, j'ai une chlamydia, j'ai pas couché avec déjà depuis, ça doit faire 9 ans, je sais pas exactement. J'ai une chlamydia, voilà, bon. Mais c'est très dangereux. Ils m'ont donné de quoi... Ça va. De quoi soigner ça? Bah d'après en tout cas ce qu'ils m'ont dit, oui. Bon, c'est bon signe. J'ai une chlamydia. Êtes... Oui, bon, ça va soigner. Vous êtes où dans l'hôpital là? Dans une salle de soins? Je suis dans la salle de réveil, avec le directeur et le directeur adjoint. Ça marche, bon, écoutez, j'arrive. Eh ben, la bise, Kim. À tout de suite. La bise. Ah, par contre, je crois que... Excusez-moi, c'est... Oui, il va falloir que j'y aille, j'ai un patient qui m'attend, donc... Bien sûr. Je vous laisse... Gabriela. Bonne main de mon collègue, oui. Encore une fois, je voudrais vous remercier, tout simplement, pour votre professionnalisme. Avec plaisir. Écoutez. Et je sais que c'est compliqué à l'hôpital, le soir, etc., etc., donc merci d'avoir pris le temps pour moi, et je vous souhaite une excellente... Merci, à vous aussi. Regardez, hop, voilà. Ah, et ben là, voilà, vous aurez la collection. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse avec mon collègue. Et bien sûr. Ah, bah madame Collins qui est là. Oui, je l'ai eu au téléphone, elle est là. Nickel. Bon, bah ça va aller alors. Et ben, espérons que cette chlamydia se calme. Hein. Parce que bon. Je me le souhaite de tout mon cœur. Ah, je me le souhaite aussi, ouais, finalement. Ah, oui. Ok, allez, soyez prudents, passez une bonne soirée. Merci Gabriel, bonne soirée à vous. Au revoir, merci pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Hein? Oui. Hein? La midi, elle t'a arrêté de se gratter, non? Ah, bah voilà, je savais bien qu'il y a quelque chose. Tant mieux que vous avez, monsieur Fou. C'est pas. Ouais, ça a l'air de gratter un peu encore. C'est pas. Oui, bah faut attendre que ça fasse effet. C'est un peu, hein?
J'ai l'impression que ça dépasse la chlamydia là. J'ai comment ça, que maintenant, c'est... monsieur Pablo, mais. J'ai donné des prêts. Ah. C'est important. Ah, l'impact. D'accord. La douceur. Eh ben oui. Pour ça. Il veut partir en claquette chaussette, hein, je vous dis déjà. Ah, vous voulez repartir comme ça, monsieur Foub? Ah bah. Qu'est-ce, moi, que vous à l'aise, hein. Qu'est-ce que vous en passez sur 10? On a mis à 7,5 sur 10. Vous êtes à l'aise, moi je dirais un 9. Oh, Kim. Un, vous voyez, bon ça, 9. Kim, c'est la famille. Mais bien sûr. Toujours là pour vous aider, monsieur Foub. Merci, bon. Kim. Bah, je vous raccompagne. Que allez. J'ai les flics dans mon bureau. Allez. Ah. Mais en même temps, vous venez de boire une binge en plein boulot là. Au moins, ce qui. Non, c'est de la bière sans alcool. Ah, c'est de la bière. Ok, d'accord. Parce que là, je viens littéralement de voir une binge. Donc, tu m'étonnes que les flics soient là. Je viens d'être soigné. On m'a dit une chlamydia. Si le mec est bourré et qu'on me dit j'ai une chlamydia, je vais péter un plomb. Enfin. Moi, non, je suis pas fou. Monsieur, vous avez une chlamydia. C'est de la bière sans alcool. D'accord, c'est bon alors. Black zéro. Non, vous pouvez pas rentrer comme ça, je crois. Bah, merci pour toi. C'est pas moi qui ai dit chlamydia, c'est la machine. Oui. Moi, j'ai fait le frottis, c'est tout. C'est. Nigol. Beau gosse. Qu'est-ce que t'as fait? Accident? Tu te fous pas de moi, hein? Non, je m'en fous pas de toi, qu'est-ce que t'as fait? Et bah... Tout ce qu'il se souvient, c'est avoir allumé un joint, puis il est arrivé ici. Heureusement, oui. Je suis bien garé, quoi. À l'anniversaire de mariage, là, pour vous deux, il y a quelqu'un qui m'a donné des joints, j'ai allumé un joint, et je suis tombé instantanément dans les pommes. Ah, merde. Mais... Et ils m'ont découvert une chlamydia. Voilà. Et c'est ça, une chlamydia? Je l'ai vu se gratter toute la soirée, on a fait un frottis. Et ouais, mais il me casse les couilles parce que je me gratte le cul depuis le début de la soirée. Je me gratte le cul, bah ouais, je me gratte le fiac, c'est comme ça. Et il me dit, oui, t'as une chlamydia. Et me... On a fait un frottis. C'est quoi, les... comment ça, un frottis de son cul? Oui. C'est une MST. C'est une MST. C'est quoi, les chlamydia? Une MST. C'est une IST, j'ai pas fait le mot depuis 9 ans, il me raconte n'importe quoi. Les MST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Je crois que c'était avant G6, c'est. Oui. Avant G6, c'était les MST. Donc bon. Ouais, bon, bref. On va pas revenir dessus, de toute façon. Mais il est soigné, tout va mieux. Oui, oui, et puis au pire, je me gratte le fiac, hein, c'est bon. C'est pas... Oui, au pire, de toute façon, on vous aime comme vous êtes, là, monsieur Fou. Ah bah. On va pas changer comme ça, hein. Tu te grattes le cul encore, là, non? Oui, bah ça passe pas instantanément. Bah, alors, t'as une irritation, c'est une irritation. Ça fait 9 ans qu'il l'a. Parce que, toi, t'es Kim. Oui. T'as déjà eu des irritations. Oui, mais pas que la midi. Oui, non, bah oui, mais. Mais des irritations, oui. On est d'accord que quand on a des irritations, bon, ça commence à gratter, tu grattes, et le fait de gratter, ben forcément, ça aide pas à la cicatrisation, et donc ça gratte. Et c'est un peu le cercle vicieux de la démangeaison, non? Oui, puis ça donne encore plus envie de se gratter. C'est ça, exactement. Donc. Fissure du tibia. Ah oui, d'accord. Une heure. Mmh. Antoine, écoute. Oui, Miguel? Mais je crois qu'Antoine Croûte, il est venu 6 fois hier. Tu te grattes encore le cul, non? C'est la 7ème fois. Miguel, est-ce que tu... Est-ce que... Ah, Miguel, on non, est... tu veux pas gratter, non? Non. Est-ce que tu peux... Tu peux sentir ou pas? Tu veux que je sente quoi? Ce... est-ce que tu... Non, comment? Dis-moi. Mais non! Mais tu peux pas faire ça? Mais... Ça va. C'est bon. Mais pourquoi tu veux que je sente? On me dit j'ai une chlamydia, moi je sais plus quoi mais faire. Je sais rien, c'est pas, je suis pas expert chlamydia en santé, non? Demande au docteur, mais lui souligne du docteur. C'est, oui. Non. Ils sont, oui, okay. Ils sont meilleurs amis, ils sont très proches. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Ils partagent même l'odeur des chlamydia, oui. Des docteurs, ils te disent si c'est une chlamydia. Ah, docteur. Mais, oui, effectivement, oui, mais... docteur, c'est vrai qu'à l'odeur, il peut savoir si c'est une chlamydia. N'hésitez pas à les faire sentir, monsieur Foub. Ah. Oh, purée. Oh non. Non, mais c'est bon, l'analyse a dit que c'était une chlamydia, donc. Eh mais faut checker l'odeur, Doc. Oui, vérifie à l'odeur, Doc. Allez, c'est moi qui ai fait le frottis. Autant vous dire que j'étais tout près, j'ai senti. Oh, ça va, c'est pas le frottis dans le pif non plus qu'on vous met, ça va. Non. Mets-lui ton doigt dans ce. Ah. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a fait péter les... Qu'est-ce que c'est? Bah, on va aller voir, viens. Oui. Tiens, on attrape. Je me couille. Oh non! Fab! Mais y'a tout le monde. Tim? Oh non! Mais. Tim? Mais qu'est-ce que. Fab! J'ai la chlamydia. Oh là! Qu'est-ce que. Tim? Oui?
Il y a le feu là-bas. Non, non, mais arrête, je veux plus, j'en ai marre, je veux pas que je mange. Mais pourquoi ? Lorenza ? Je veux vivre. Vous avez vu quelque chose ? Non, je pourrais plus faire ça. Ben, l'avion a pris feu. On prendra pas celui-ci. Mais je sais d'accord. Pas avec celui-ci. Donc tout vous semble normal pour le moment. J'en sais rien, mais c'est les personnes concernées qui gèrent. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ? On est venu voir Antoine avant de partir. Il est où, Antoine ? Et vous, ça va ? Mais tu me bah, ça va, j'ai la chlamydia. C'est mon doigt. Pardon ? J'ai la chlamydia. Vous avez la chlamydia, pas trop faible. Bah je comprends pas comment j'ai la chlamydia. Je me suis évanoui avec le pétard. C'est la dernière image que j'ai. Je suis à côté de vous, je m'allume un pétard. Tu as fumé le pétard ? Non, alors... j'ai même pas eu le temps. Enfin, je sais rien. Mais attendez, mais vous avez couché avec qui pour choper la chlamydia ? Mais c'est ce que j'ai dit à l'hôpital. J'ai dit j'ai pas fait l'amour, ça fait 9-10 ans au moins. Enfin j'en sais rien quoi. Et ils m'ont dit ça fait 9 ans que vous avez pas fait l'amour, monsieur Fab. Et alors ? Oui. Oh, bah, il faut respecter. J'ai fait, Lorenza, je me suis jamais caché. Oui, j'ai fait l'amour deux fois et je me suis rendu compte que voilà, c'était pas mon. Vous pensez que le taser, ça peut. Il peut y avoir des IST ? Oh. Non. Vous êtes sûr ? Non. Parce que. Au cas où. Parce que je sais que des gens, pas moi évidemment, mais il y a des gens qui... Oui. Non parce que c'est Tim qui m'avait dit ça il y a... Bah Fab, qu'est-ce que j'ai dit ? Fab, pourquoi t'es en peignoir ? Parce que je suis sorti de l'hôpital et ils m'ont proposé de garder cet accoutrement. Ah ça va très bien en vrai. Oui, ça va super bien patron Fab, vous êtes fabuleux même si vous avez la chlamydia. Bah... Tout le monde a un peu le cul on là, pas, on n'est pas obligé de... Bah... Pourquoi tu es méchante, elle est dure à tout le monde comme c'est ça. Personnel. J'ai bientôt... Ouais, bah attendez, on est entre nous, c'est la famille quoi. Bah, j'ai bientôt mon avion, ça vous dit pas qu'on aille un peu sur les collines vite fait, histoire de passer un dernier moment ? On peut aller sur les collines, ouais, complètement. Complètement. Ah, attendez, j'ai un coup de... Oui Antoine, c'est ça qu'au téléphone. Je pourrais m'asseoir à côté de toi, Fab ? Non, je suis... Oh, vous me donnez envie de vomir. Bah... C'est quelle heure ? Oh, c'est l'heure. Non, vous... je sais pas où est Daniel. C'est bon, je suis vraiment devant la porte de l'hôpital. Non. Allô Nassien, vous allez à l'aéroport, cher ami ? Ça va, Fab ? Ah, excusez-moi, je reçois des SMS de personnes que je connais pas forcément, donc je me permets de répondre tranquillement, quoi. Je crois que Lorenza voulait me tuer. Pardon ? Elle voulait être avec moi, mais... Je lui ai dit non et je crois qu'elle a voulu me tuer. Ah. Pardon ? Elle... Lorenza a essayé de vous tuer ? Tim ? Oui, je crois, oui, c'est ce que Antoine Schultz m'a dit. Lorenza ! Lorenza ! Tu m'as dit oui ? Venez ici. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait à Tim ? Mais j'ai rien fait. Et pourquoi vous avez essayé de tuer Tim ? Mais pardon ? Mais c'est grave hein, de porter des accusations comme ça. Mais c'est même toi tu as dit. Mais n'importe quoi ! Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit oh la balance. Ça veut dire qu'elle a dit la vérité. Non, pas du tout. Mais c'est pas moi qui t'ai poussé à l'eau, Antim. J'ai dû m'enfuir par là où tout le monde m'encerclait, tout le monde voulait me tuer. Moi, j'y peux rien. Oui. Lorenza. Non, mais attendez, pas trop Fab, vous allez redescendre tout de suite, vous me faites peur. Lorenza, est-ce que vous jurez sur la tête de la vigne ? Est-ce que vous jurez sur la tête de la vigne que vous n'avez pas poussé, Tim ? Je le jure. Il m'a pas poussé. Je l'ai pas poussé, d'accord. Vous me faites peur, patron Fab. Ah non, mais c'est moi qui l'ai poussé, Tim. Ah, voilà. Pardon ? Ah, il a voulu me tuer. Ah oui, c'est bon. Pourquoi vous avez voulu me tuer, Tim ? Tiens, arrêtez, je sais pas me battre, je vous ai mis un coup, arrêtez. Et pourquoi vous avez essayé de tuer Tim ? Parce qu'il paraissait appétissant.
pardon. Il est fou. Bah oui. Appétissant. Oui. Mais vous êtes... mon plat frais pas favori, l'humain. Vous. Pardon. Oui. Tout à fait. Bah écoutez, vous vous avez la chlamydia, lui il bouffe des humains. Oui, bah vous pouvez pas comparer. Une... Non, vous pouvez pas comparer les comparables. Non, là vous êtes en train de comparer les comparables. Ah, bien sûr, avec plaisir. Monsieur. Oui. Vous êtes complètement starbé. Complètement starbé. Parle pas avec les cannibales, Fab. Mais je savais pas qu'il était cannibal. Il est trop sympa, Pablo. Pablo, il sait pas, il mange des êtres humains, ouais. Très sympa, ouais. Y'a plus de place. Dans le coffre, sinon. Hein. Ah, ouais, non, on dirait qu'il y a plus de place. Merde. Ah. T'es sûr de toi, Fab? Non. Je suis pas sûr, moi. Pablo. Moi non plus. Oui. Bah, prenez une bagnole, sinon, et on monte là-haut. C'est où, là-haut? Je vais. Le domaine. On va au domaine? Ouais, pas de soucis, j'envoie un message à Miguel pour le dire et je vais y aller avec Miguel dans ce cas-là. Ah, bah, viens, ne tarde pas trop, Fab. Non, je l'appelle maintenant, là. Je suis en train de l'appeler, là. J'ai mon téléphone, regarde. Hop, là. Regarde. Hop. Bah, tira avec Roy aussi, ok? Pas de soucis. Y'a plus de place, Roy. Ok, pas de soucis. À toutes. À toutes. Ouais. Vous avez le numéro de Miguel? Oui. Ah. J'ai attrapé le rhume. Hein. Je peux te donner ça. Pas de soucis. Hein. J'ai, je l'appelle. Là, c'est bon. Non, c'est 39,97. Ouais, 39,97. Ah, merci, Pablo. Oui. Vous mangez des humains, mais vous êtes plutôt sympa. Ouais, par contre, je vais filer mon rhume à quelqu'un. On est devant le... Ah, attends, bouge pas. Tiens, prends ça. Ah, gentil. Je vais donner ça. Pas comment. Tiens, prends ça. Ils sont partis sans moi? Complètement. Complètement, petit compte. 39,97 du coup, si tu veux, pour le numéro, mais normalement il arrive. Bah, si tu l'as appelé, c'est ça? Ouais, mais ça captait pas bien, ça fait un truc bizarre, tu peux toujours l'appeler au cas où. 39,97. 39,97. Aller au domaine si jamais vous voulez un taxi. Ah. Qu'est-ce que c'est la musique? C'était par rapport au jour que je t'ai filé plus tôt dans la journée, mais tu l'as fumé je pense déjà. Ouais, il m'a donné une chlamydia. Ah. Bah, désolé. Mais c'est parce que je crois que vous avez rangé dans mes Kinder Bueno. Ah. Ouais, c'est pas que ça se donnait comme ça. Tiens le numéro. Ouais, 39,97. Aller au domaine ou pas? Il peut nous emmener après Pablo, mais bon. J'appelle, une seconde. C'est gentil. Allô Pablo, mais je crois que pour l'instant, oui. Miguel? Oui. Oui, c'est Fab, ça va ou quoi? Oui, ça va, toi? Oui, ça va. Apparemment, il y a plein de gens là, ils vont au domaine pour l'after, je sais pas quoi, tu y vas aussi? Mais je vais y aller, oui, tu vas. Bon, on va tous venir au domaine pour l'after. Ok, bah top. Tu as une voiture pour m'y amener? Oui, j'ai une voiture. Ah bah là, c'est pas mon Touyac là? Ah oui, si. Avec ça, ça serait cassé. Et oui, je vais trouver une voiture pour t'emmener. J'arrive. Top, je suis devant l'hôpital à Véroy. J'y suis aussi. Ah! Bah, de suite. Roy. Ouais. Tu as parlé un peu avec Tim? Ouais, c'était un peu bizarre cette histoire. C'est-à-dire? Bah, tu sais, moi, tu parlais avec Tim. Et ça avait l'air de bien. Tu vois, le lieutenant Kuk et son colocataire? Oui. Bah, ils sont à la fois. Colocataires, amis, et ils s'entendent bien. Mmh. Ouais. Sauf qu'ils n'arrivent pas à ressentir les sentiments l'un pour l'autre. Ils sont sur un amour platonique. Il lui a roulé une pelle plutôt dans la journée, et ça lui a pas fait les guilis au bidou. Mmh. Toi, quand tu te fais taser, tu vois. Attends, Kim. Vous appelle, monsieur Foub. Allô, Kim. Oui, monsieur Foub. Oui, dites-moi. Je vais chercher une voiture pour vous emmener au domaine. D'accord, on bouge pas à Véroy. Ça marche, nickel, j'arrive. On est là. Merci. Là, j'arrive. Bon. Excuse-moi, j'étais au téléphone. Ouais, c'était un très court appel pour le coup, dans tous les sens du terme. Bien sûr. Et du coup, bah c'est vrai que toi, quand tu te fais des trucs avec. Quand tu parles un petit peu avec Tim, on sent qu'il y a des petits trucs dans le bidou, là, des guillis au bidou. Et du coup, je sais pas pourquoi Lorenza, elle voulait pas que Tim soit là. Et du coup, elle a demandé à Pablo de le manger. Ah. En fait, elle a dit: je veux bien sortir avec toi si tu manges
Tim. Et Pablo, comme il a toujours faim, bah du coup il était chaud. Du coup il a fait peur à Tim en lui disant je vais te manger. Et Tim il a sauté. Après apparemment il voulait juste manger genre une phalange ou deux, il aurait pu faire croquer. Mais non, ça non, reste. Non, tu es en train de. Non mais non, c'est pas possible. On va manger même un bout de doigt. Enfin je veux dire. Après c'est un peu raccourci, hein. Moi je suis arrivé à un moment où je la voyais, il savait pas trop, il regardait Tim de loin, elle était en mode non mais moi je voulais dire le manger, pas le manger quoi, mais elle avait pas forcément compris quoi. Donc c'est Lorenza qui a essayé. C'est pas Lorenza, c'est un concours de circonstances qui a fait que Lorenza en se faisant draguer s'est dit plutôt que de me grailler moi, il pourrait grailler quelqu'un qui n'est pas moi. Incompris. Ah ouais, moi non plus. Tu veux une capote? C'est ça, le truc. Ouais, bien sûr. Tiens. Attends, mais c'est bon, t'as encore une bouche de pute. Ah putain. Attends, bouge pas. Je sais pas, c'est peut-être les antibiotiques. Non, c'est la pommade, je crois. Ah, j'ai de la pommade. Mets la pommade, t'inquiète pas. C'est la chlamydia, j'ai la chlamydia. Bon, et en gros, il a eu peur parce qu'il lui a dit je vais te manger. Il a un peu overreact en disant mais je vais te tuer avant de te manger. Parce qu'il est cool quand même. Il tue les gens avant de les manger. C'est pas mal déjà. Tu t'imagines, genre, il te coupe le bras, il le mange devant toi et tout. Après, il peut te faire croquer comme une boîte de vin, tu vois. Mais Roy, il y a un mec en peignoir là. Ouais. Le mec en peignoir, il tape. Comment? Ah mais je devrais pas, ouais, on devrait peut-être pas parler de ça. Peut-être qu'on attraperait moins de maladies, tu vois, si on parlait de manger d'autres humains. Tu vois? Bien sûr. Je pense. Clairement. Mais bon voilà, un peu chelou quoi. Je m'excuse peu, dans ouais. Ce cas si vous mangez d'autres humains, excusez-moi. Non, pas de soucis. Non. Il a quand même dit, c'est un régime c'est alimentaire comme un autre. Y'a aucun souci. C'est pas la joie quoi. Mais bon, sinon, ça te va super bien les lunettes, hein, je crois que t'as déjà dit. Bah, y'a des gens, ils me disent je fais super vieux, des gens, ils me disent ça me va bien, gros, j'en ai aucune idée, frère. Ah, oh bah, tu fais super vieux, mais ça te va bien. Ah, non, je fais plus vieux. Ah, tu fais, bah, en même temps, ça fait quand même 7 ans, hein, ça se voit un peu. Tu mets de la crème anti-âge, non? Non. Ah, bah, ça se voit pas. On croirait que tu en mets, tu vois. Ah, bah, ça me fait plaisir. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, attends, y'a Kim là-bas. Attends. Où est Miguel? Derrière nous, non. Ah, Miguel. Oh, j'ai pas de cagoule. Miguel, faire quoi? Bah, la voiture de police, on pense qu'elle est pas fermée. Bah attends, j'y vais si tu veux, j'ai une cagoule. Oui, si ça marche pas, faut que tu cours. D'accord. 1, 2, 3, partez. Mais Miguel, et qu'est-ce qu'il fout? Oh, le plus gros stuff. Mais Miguel... Mais en termes de centre, excusez-moi, en termes de centre aéré, on est très bien. On est très bien. Tant qu'il y a Monsieur le Maire, tout va bien. Montez Monsieur Foub. Vous emmène au domaine. C'est Monsieur le Maire, c'est normal. Monsieur le Maire donne toujours des règles de coke. On savait bien. Monsieur le maire donne des rails de cocaïne. C'est toujours comme ça, monsieur le maire, il a toujours donné des rails de coke. Vous savez qu'il a eu son élection démocratie, mais aussi parce qu'il donnait des pots de vin. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, mais si, mais ça a toujours été comme ça. Et ça a été un des meilleurs maires qu'on a pu connaître. Mais oui, monsieur le procureur, vraiment. Bien mieux que monsieur Arkel. Ça m'inquiète un petit peu cette histoire, non? Vous prenez de la cocaïne, vous? Écoutez. Ah non, je suis pas trop cocaïne, et vous, monsieur Foub? Non. Non, ça va. Et vous, monsieur le procureur, vous êtes cocaïne ou pas? Vous êtes aspirine? Ah, je vais en prendre beaucoup aussi. C'est bien des fois. Bon, écoutez, non, c'est. Tout va très bien, écoutez, monsieur le procureur. Tout va très bien, écoutez, ça arrive. C'est des fois des. Oui, aussi. Mais non. Mais oui. Mais alors, il faut savoir qu'avant, monsieur le maire vous a offert un préservatif. Oh. Et pour ça, vous. Mais qu'est-ce qu'on fout? Mais j'attends le départ pour le. Ah, pardon. On va au domaine? Y'a des partouzes là à la mairie? Attends, est-ce que j'ai pas ce qui se passe? On va visiter le domaine. Y'a une partouze au domaine? On va appeler. Chérie? LSS. Oui? On va au domaine, vous nous rejoignez? Ils sont juste devant. Oui, j'arrive. Ça marche. Allez-y. Je comprends plus rien, moi. Roy, il pourra y aller avec Miguel? Oui, vous inquiétez pas, monsieur, il y aura une voiture. Vous me disiez, monsieur le procureur. Pas trop vite, hein, vous savez, moi je. Ah, merci.
Mais vous savez, là j'ai sorti le Camacho, donc rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arriver. Votre ceinture, monsieur Torres. Bien sûr. Mais mettez vous savez, je peux faire les giros. Non, non, faites pas ça. Je fais les giros. Regardez comme ça. C'est bon, regardez comme ça, on peut rouler, on roule vite, mais on est bien. Fuck la police. Allez. Hop là. Pas plus de 350 km/h en ville, vous inquiétez pas. Qui sont ? Bonjour, derrière. C'est une blague, monsieur le procureur, c'est une blague. Qui c'est bon ? Kib. N'hésitez pas à vous poser devant une petite série, monsieur le procureur, et tout ira bien. Pourquoi vous faites tutututut ? Parce qu'elle m'a demandé de faire tutututut. Eh ben, ah oui. Bon courage à vous, parce que ce sera pas tout de suite. Bon. C'est du GPS ? C'était notre mariage, ce soir, monsieur le procureur. Pour la police ? Ah oui. Ah, c'était à s'y méprendre. Merci beaucoup. Et du coup, on fait ça en bonne et due forme. Avec des belles amies liées à cette fin. Mais très très bien. Bon courage à vous, monsieur le procureur, et bonne soirée. Ça va aller. Mais attendez, j'ai remarqué, monsieur Fib, on retourne le. Ah, non, oui, t'es déjà dans la voiture. Je suis dans la voiture avec Kim. Attendez. Tu vas attendez, voilà. Je suis. Regardez oui, ce qu'il y a marqué à toutes. À toutes. Collins. Non, oh. Je suis désolé, j'étais au téléphone. C'est chez vous ? C'est chez nous, oui. Wow, c'est joli. Formidable. Import export, foutez de la gueule de qui ? Bah, en soi, l'import de coke et l'export de coke. Ah, bah, de l'import export. Ah, c'est pas faux. Oula. On a marqué un point là. Doucement. Oui, désolé, monsieur. Je vais mettre le limitateur. Et ça va, ça marche bien l'import-export ? Oh, vous savez, tant qu'il y a des nez vides, on a de la coke pour les remplir. C'est vrai, c'est pas faux. Mais que. D'ailleurs, j'imagine que vous devez avoir des bons exportateurs au Vietnam. Ça arrive, ça arrive. On a des bons contacts. Oui, oui, oui. Ça se trouve, peut-être sniffer de votre coke, ça se trouve. Ah, peut-être, docteur Maison, peut-être. C'est possible. J'avais, oui, excusez-moi, j'avais un procureur un peu au bord du burn-out au téléphone. Ah. Un procureur qui bosse ici à Los Santos. Oui, 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 oui. Et lui aussi. Il nous a déjà perquis plus d'une fois. Oui. Et lui aussi prendre de la coke. Alors quand. Ah, perdre un bon rail, Kenneth. Quand monsieur le maire lui a donné un rail de coke, il a refusé. Ah. Mon dieu, il y a les policiers, les policiers, les policiers. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour nous. Ok. Oh les flics, venez. Pourquoi? Ah, je déconne, il m'entend de pas. Quoi. Mais non, mais lui c'est plus peur. Mais il va pas. Pourquoi vous avez peur qu'il vous arrête, Kenneth? Attendez, attendez, il va au domaine, il va au domaine. Attendez, qu'est-ce qui se passe au domaine? Oh bordel. Si ça se trouve, peut-être que les gens du domaine n'ont pas été d'accord que. C'est toujours le problème du sanglier au domaine. Problème? Il y a les flics qui vont au domaine. Qu'est-ce que vous appelez problème, sanglier? Ah oui, oui, comment ça, ils vont oui, chercher mon Tazac? J'ai pas mon domaine. Le malversa... dans vos locaux. Attends, ça mais... tué chez vous. Il faut que donc, je tire sur les sangliers. Donc là, on est pile derrière eux, donc on arrive au domaine, ils vont le fouiller. Oh, ils ont enlevé la grille qu'on avait mis. Et pourquoi ils chercheraient... D'accord. Non. Ah, les cyclistes sont toujours ici, par Jim a balancé. Il y a deux unités. Oh non, ça par contre, ça commence... Attendez, ça commence à me saouler. Là, par contre, vous, j'ai passé des mois et des mois à vous dire de vous casser. Dégagez d'ici, c'est pas votre domaine. Faites votre pause clope ailleurs. C'est une propriété qui est privée. Si vous voulez faire du vélo, vous allez ouais, solides, à un autre endroit. Ouais, et c'est toujours pareil. Alors, je sais pas si vous êtes les fils, les petits frères ou j'en sais rien, des gens qui venaient là avant, mais ça commence à nous casser les robinets. Après, tu me diras, c'est pas moi qui habite... Bah oui, c'est plus votre domaine, cher ami. Je viens de me dire ça, en fait. Bah oui, c'est le domaine de Marlowe, apparemment. Ah oui, non mais... Bah oui, cher ami. Ah oui, non mais en fait, fumez là. Bah oui. Je m'en bats les couilles. Bah oui, maintenant c'est pas les couilles, frère, comme disent les jeunes. Oui. Oui, 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 bah rien à foutre. Bah oui, cher ami. Ah oui. J'ai pas passé à ça. Vous, et pareil, tu vois. Ouais, ah, c'est plus mon domaine. C'est plus mon domaine. Il y a même des clodos là-bas. C'est plus mon domaine. Ah bah Lyon, il a bien changé de domaine. Hein. Vous voulez un cendard? Attends, ils ont pas des cendriers à l'intérieur? Bon, je sais pas, peut-être. Eh oui. Oh
C'est pas nos vignes du sud, ça. Ouais. Ça se voit. Et où est-ce qu'ils sont Ah, je sais pas, mais je suis étonné du changement qu'ils ont fait dans le domaine. Hein. C'est... Oui, par contre, c'est méconnaissable. Hein. Ah, c'est impressionnant. Bon, cette vigne, elle est... La oui, Dr. Croutz, c'est Dr. Maison. Pourquoi vous énervez contre les bouts de bois? Oui, cher ami, on est avec Fab, et Kenneth, et Kim, vous êtes où? On est au domaine. C'est quoi la taille de cette antenne? Ah, ok, il y a le shérif qui cherche le sien, par contre. Ok, bah, à tout de suite. Ils arrivent. Oui, ça a changé, la vache. Oui, c'est méconnaissable. Hein. Ah, c'est... Ça a complètement changé. Ça a complètement changé, mais moi, je vais pas vous mentir. Je préférais avant. C'est plus cosy. C'est plus cosy, ouais. On était chez nous. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quoi, vous préférez comme ça? Mais bien sûr. Attendez. C'est trop vide. Donna? C'est plus rien. Wow. Donna? Bah oui, je sais, Fab. Tout a changé. Bah oui, je sais bien. On a fait beaucoup de travaux, hein. Ah, c'est méconnaissable. Bah avant j'habitais ici, mais maintenant j'y habite plus, maintenant c'est juste pour la boîte, hein. Ah bah oui, mais complètement, c'est méconnaissable. Ah oui, c'est un truc de fou, hein. C'est foutu, là. Ah oui, mais regarde la production, là, c'est bien, hein. Ah bah là, c'est une affaire qui roule, là, c'est clair. Pas mal, hein. Ah, ça a bossé, c'est sévère, hein. Ah oui, c'est assez fort, hein. Toujours les camés, là. Mais bon, ça, j'ai demandé aux croûtes de tabasser les deux cyclistes dehors, là, normal. Eh non, ils sont adorables les cyclistes. Ah non. Les cyclistes à une époque ils roulaient sur les sangliers et tout. Oui, mais c'est plus les mêmes, ils sont morts, on les a. Bah je crois que ceux-là... Mais Tim? Mais Gautrin? Mais qu'est-ce que... Bah tout le monde est là. On vient d'arriver. Qu'est-ce que... C'est la chiasse. Il s'est passé quoi? Gautrin, la méga chiasse, hein. Tu voulais pas me voir? Mais il chie partout tout le temps celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé, Tim? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez être choqué quand vous allez rentrer. Qu'il y a, Fab? Mais tu es plein de sang? Oh, si. Le trajet en voiture était un peu compliqué. On a dû se faire pousser et ça secouait pas mal. Ah! Ok. Ça me fait bizarre de te revoir ici dans le domaine. Ça rappelle des souvenirs, oui. Ça, c'est particulier, oui. C'est là qu'on s'était rencontré. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois, Tim? Je crois pas. Je sais pas, mais il me semble. Non, pour moi, c'était au bord d'une route, rappelle-toi. Ah oui. C'était sur une route, on avait eu un accident, on avait discuté tous les deux. Et après, on a fait dans l'hélicoptère. On a fait. Et on peut toujours faire. J'ai pas de taser. Non. Je n'ai pas de taser. Et comme je t'ai dit, moi, il faut que je fasse très attention, mais j'aurais du mal à me retenir. Tu penses pas qu'on peut essayer une dernière fois? T'as un taser? Rassure-moi non, mais... J'envoie un message à Miwan. Tu as pas appelé la personne à l'aéroport tout à l'heure? Personne à l'aéroport? Tu sais, quand on parlait tous les deux après l'avion. Non, mais Agathe! Oui, Agathe. Mais Agathe, elle m'a lâché, elle m'a dit « T'inquiète pas, Miguel, il en aura un. » Ok. Et tu l'as dit ce que j'ai dit aux autres? Que je t'ai dit, mes sentiments? Non, pourquoi? J'ai l'impression que tout le monde le sait maintenant. Ah bah c'est-à-dire qu'on a discuté sur un banc pendant 2 heures, quoi, c'est... Mais je pensais pas que les gens nous auraient vus. Non. Le message de Miguel pour le laser.
Complètement, Miguel m'a dit qu'il en avait un. Je voulais qu'on se le fasse une dernière fois. Bah... Je pense qu'on peut faire au moins ça l'un pour l'autre. Je bouge. Roy ? Oh. Ouais. Tu vas où ? On va faire dodo, je pense. Hein. Eh ouais, ouais, la soirée s'est fait longue, hein. Bah fait, ouais, oui. Ça fait donné... plaisir de vous revoir, en tout cas. Bien sûr. Vous voulez une chanson d'amour pour finir ? Pas d'amour ? Ça dépend. Je sais pas trop. Attendez. La soirée est belle, on est tous réunis. Aujourd'hui tu vois Tim et tu le regardes, oui. Même quand il est plein de sang, tu le sais mon enfant. Au fond du fond tu le sais, c'est lui qui est le sang. La première fois tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as tasé. Je me suis senti si bien quand j'étais à tes pieds. Je ne pouvais plus bouger, mais ça me fait que du bien. C'est l'heure maintenant de partir, mais c'est pas grave, pas chagrin. On se retrouve peut-être demain, peut-être dans un autre monde. Moi je vous fais plein de bisous, parce qu'il y a le micro-ondes. Il m'attend, ça a sonné. Le plat, il est prêt. Ciao. Bisous, Roy. Bisous, Roy. Bisous. Bisous, Roy. Roy. Ouais, ouais. Et bisous. Ouais. Viens là. Ouais. Fait plaisir. Au plaisir. Bien sûr. Ciao, Ron. C'était cool. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ron. T'es clean. De fou. Perfect. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des... C'est un plaisir. Position. C'était ton vignoble, Donna, c'est ça? Ah oui, bien sûr. T'as ça vu Donna, il y a plus de ça l'est toujours, hein, ça l'est toujours, c'est juste une sale. Ah, oui, je me doute. Ouais, il y a plus de sangliers ici. Il y a eu des travaux, non? Et les sangliers, oui, ils ont été délocalisés pour leur bien accrocher. Il y a eu des travaux parce qu'il y a eu pas mal d'attentats, on va pas se mentir. Elle vous va bien? Ah oui, clairement. D'accord. Bon. Merci, Lorenza. Ah, les affaires, ça marche, du coup? Merci. Ah oh bah, ah, écoutez, ça marche, mais ça pourrait mieux marcher. Hein. Alors je continue à marcher, moi, parce que si je m'arrête... Non, je m'en passerai le mot si vous les croisez pas, du coup. Ah, bien sûr. Mais t'as toujours la chiasse contre toi ? Ah ouais, mais si je m'arrête de marcher, là, c'est terminé, donc... Votre caleçon de cœur en dessous de votre peignoir ? Va pas chier dans les vignes. Bien sûr, toujours. Il y a un médecin. Il y a un médecin, là, mais... Bien sûr, juste là, en bleu. Si, en bleu, là. Vous savez, monsieur Fab ? Dites-moi. C'est vous qui m'avez donné un travail il y a 7 ans. Et c'est ici que j'ai écrit Donna à Donna. C'est vrai, c'est là que tout a commencé, ouais. Bon. Avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, j'ai une question à vous poser. Oui. Dites-moi. Est-ce que c'est le même caleçon qu'il y a 7 ans ? Monsieur Fab... Ça. Si, y'en a un. Il y a un médecin qui est juste là. Ça, trop bien, trop bien. Ça fait 7 ans que c'est le même, oui. Non, mais je vous juge pas. Hein. Pourquoi vous me posez la question ? Eh ben. Je sais pas, ça. Poser la question, quoi. Un manque d'hygiène, c'est peut-être pour ça la chlamydia, finalement. Peut-être qu'elle est. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Mais non, ça fonctionne comment ? Vous avez dit que... Bah, c'est sexuellement transmissible. Moi, je prête pas mon calbut à d'autres personnes. Il y a que moi, je suis l'unique détenteur du calbut. Peut-être Gontran qui vous a refilé la chlamydia ? Je sais pas, Gontran, de toute façon, il a la chiasse. Il m'a reniflé le cul tout à l'heure, j'ai rien compris. Ah mais ouais, apparemment, vous vous êtes embrassé. Non. Ah bah, c'est ce qui se dit. Non. Eh bah, c'est ce qui se dit. Non.
Non. Oui. Non. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas voulu de mal à Tim, ok? C'est juste que j'ai voulu lui faire peur. Et c'est pas moi qui l'ai poussé à l'eau. Non, c'est le cannibale de Pablo. Voilà. Mm. Donc c'est pas moi. C'est pas vous. J'ai rien fait. C'est pas vous. Mais vous le lavez quand même, votre caleçon, parfois? Écoutez, Lorenza. Oui, monsieur Fab. Pose des questions sur vos sous-vêtements ou pas? Non, monsieur Fab. Vous avez raison, monsieur Fab. Sur des affaires personnelles, Lorenza. Vous lavez, vous, votre culotte? Vous lavez, vous, votre robe? Ah bah oui, vous voulez que je vous la montre? Bah non. Regardez. Attention, ça va être rapide. Non, ça ne me regarde pas. Oh, mais ça va. Bah, c'est hyper personnel. Enfin, excusez-moi, Lorenza. Ah bah, je sais pas, vous le montrez à tout le monde, c'est hyper personnel maintenant. Mon caleçon. Et moi, mon caleçon, c'est comme un short, vous voyez. Ah, donc, en fait, c'est misogyne, votre marque. Pourquoi? Parce que moi, du coup, c'est une culotte, donc c'est... Bah, vous, vous mettez en dessous d'un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est juste le calebut. Ah ouais, donc... Après, si vous voulez montrer votre culotte, trimballez-vous en culotte. Ah bah merci. Moi, c'est mon pantalon, quoi. Ah ouais, ça... Ok. Eh ouais. D'accord, monsieur patron Fab. Eh ouais, Lorenza. Bon, j'ai vraiment envie de faire pipi, monsieur patron Fab. Elles sont où, les toilettes, déjà? Ils ont tout refait, je connais plus rien. Mais oui, je reconnais plus rien. Honnêtement, je sais pas où sont les chiottes, je sais plus. Bah, il y avait un pont et ma tête elle s'est tapée un peu fort, quoi. Et vous êtes nulle part, monsieur. Non, bah attendez, ça va être probablement un faux papier que vous avez. Oui, c'est un très beau faussaire qui a fait les papiers, je pense. Ah, c'est sûr, hein. Et faussaire de quoi? Un faussaire qui s'appelle monsieur le gouverneur. On est d'accord, c'est Montazac, le propriétaire du vignoble. Ah, mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Expliquez, monsieur Collins. Ah. Vous êtes pas fait entuber par le sous-traitant? Alors, moi, ma question, monsieur le procureur, oui. Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Montazac? C'est moi? Non, c'est pas moi, voilà, c'est pas moi. Mais non, c'est moi! Donc, c'est pas moi, voyez ça directement avec les. Ouais, non, mais donnez votre acte de propriété, Montazac, et puis on en finit. Bon, y a pas mon acte de propriété. Ouais, c'est bien fait, là. Ah. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on est obligé d'être déponant les papiers dans la vie? Non, mais. Ah, je l'ai donné à Fab. Ah, les papiers de transaction, il les faut à qui? Monsieur Gris, là. Bien sûr. Monsieur Gris. De suite. Oh merde! Fab, qu'est-ce que tu viens de faire? Il vient de se moucher avec les papiers, là? Ah, oh merde! Je me suis torché le pif avec les papiers! Ah bah du coup, bah, on peut plus vous les. Mais vraiment, c'était écrit dessus! C'était vraiment écrit dessus! Hein. Et je témoigne, c'était vraiment écrit dessus, je l'ai vu! Ah, je vous promets! Ah, c'était le contrat! Bon, bref, allez, on n'en parle plus, hein, c'est bon! C'est ok, hein! Je pense que tout le monde va aller se reposer! De toute façon, on va repartir! Dans 10 minutes, c'est ça! Moi je pense que c'est ça. Bah, désolé, ouais, vraiment pour le papier, quoi. Ah, malheureusement, ouais, c'est plein de morts, voilà, c'est illisible. Oui, je vais le garder du coup. C'est illisible. On va partir, vous nous verrez plus jamais, de toute façon. Bon, et ben nous on va aller. Oui, on va y aller, hein. Hop là. Voilà. Miguel, voilà. Bon, on y va, nous, hein. Bonne nuit. Bon, bah, en tout cas, quand même, félicitations, monsieur Collins. Hein. Merci, à bientôt. Je vais me camoufler dans les cartons. Qu'est-ce qu'il fait? Je me camoufle comme ça, on me fout la paix. Voilà, je suis pas là. Oh, bon. Ça s'ouvre ici. Bah, je te vois. Mais. Tu as vu cette dinguerie? Tu étais déjà venu ici? Mais non, jamais ici. Hein. T'avais regardé l'intérieur ou pas? Non, j'avais jamais. Mais ils se sont tout réinstallés, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, c'est tout réinstallé.
Et tu as vu ce qu'ils ont fait dedans? Ah, c'est... Bah, ça produit, hein, en masse. Là, on est sur du domaine qu'on voit, non? Ah ouais, c'est... Ils sont où, les camions? Du coup, s'ils sont pas dedans? Eh ouais, je sais pas où sont les camions. Miwell? Oui? Tu as pu avoir un taser ou pas? Ah non, j'ai pas demandé, faut que j'en trouve. Ah! Et tu vas faire un malaise. Non. Je veux pas que tu fasses un malaise. Non, je pense pas. Je pense pas ou t'es sûr? Imagine, je te donne ça, tu meurs? Non. Non. Oui, chérie, tu veux rien de taser? Ça arrive. Ah. Ça m'a fait plaisir, Miguel, de te revoir. Je suis tellement content. Et en même temps, tu sais, je suis triste. Pourquoi? Tu as ce côté nostalgique. Quand tu sais que tes amis, tu les reverras pas avant quelques temps, tout le monde a sa vie. Ah bah, Bab, je vais y aller. Ah, Donna, je vais y aller aussi, je vais pas tarder, Donna. Miguel, Gontran. Gigo, hein. Je vais pas dire au plaisir, hein, mais... Ah non, c'est question, hein. Moi, j'ai dit au plaisir. On sait jamais, quoi. Vous venez quand vous voulez vous m'appeler. Avec bien sûr. Plaisir. Mais toi, pareil, hein, tu es toujours le bienvenu à Dubaï, à Moulis en Métoc, bien sûr, à New York. Moi, je suis jamais allé à Dubaï, d'ailleurs. La ville a l'air d'être bien tenue, là. T'es arrivé à te faire respecter dans la ville, ça fait grand plaisir. Ah oui. Ça se passe pas trop mal, des fois. Ah, Miguel, c'est un grand nom, hein, c'est un grand nom. Ah, c'est un très grand nom maintenant. Parti de rien, hein, comme moi. On se ressemble beaucoup, Miguel. Oui. Oui. On se ressemble beaucoup. Oui, les mêmes. Hop là. Bon, Lorenza, je vous dis au revoir aussi. Tout ça. Au revoir, monsieur Donatien. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'est un plaisir. J'espère que la prochaine télé-réalité que vous ferez sera. Non, mais les télé-réalités, c'est pas pour moi. Hein. Vous êtes sûr? Vous trouvez que c'est pour moi? Ah, moi je trouve, Lorenza, que. Je te fais faire voyager autour de la Terre. Hein. Il faut s'inscrire. Hein. Ouais, il faut s'inscrire, bien sûr. Ah bon? Non, je parlais à Lorenza. Je monte sur les hauteurs. Hein. Je vous fais des bisous. Nous, on va aller se poser un petit peu là-haut. Bravo, qui. Salut! Au revoir, gros Antoine. Bisous, c'était un plaisir. Ça m'a fait de plaisir voir. De vous revoir. Ouais, on se tient au courant. Je vais à l'armurerie, j'arrive. Si t'as besoin de nous pour faire de la musique. Oui, alors je suis pas sûr si. Ah, ouais, danser. Eh ben, vous pourriez peut-être danser dans mon clip. Bah, ouais, pourquoi pas, tu nous dis. Le clip de Donna, en fait, Donna. Je vais, bah oui, bah, fou, je vais faire une petite sieste ouais. Dessus, ah et bah, ensuite je vous aime trop, merci beaucoup. Bah, merci à toi, des bisous, Lorenza. Des bisous. Bah, je vous refais des bisous, voilà. Miguel et Kim. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup, Antoine. Au revoir. Des bisous. Et croûte, à bientôt. Continuez bien le boulot. On s'est à peine vu, mais on se fait des bisous, puis on se revoit de toute façon. Bah, ça travaille propre, hein. Bah, oui, bah, oui. La bise. C'est toujours un plaisir, vous venez quand vous voulez. Félicitations pour le mariage. Quoi, merci pour le mariage. Bon, merci encore. Des bisous. Au revoir, tout. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bon plaisir, à dans ces temps. Essayez de pas tomber malade, hein. Je sais pas. Dites-moi, monsieur Fab. Dites-moi. Vous pourriez peut-être tourner dans mon clip, vous aussi. Ah, avec plaisir. Quel le genre clip de clip? Le clip de Donna pour relancer ma carrière. Ah, avec plaisir. Ah bah, ça serait vraiment chouette, hein. Avec plaisir, dites-moi, vous me dites, moi je suis disponible pour danser, de toute façon, moi maintenant je bosse plus beaucoup, je profite de la vie, hein, donc vous me dites. Hein. Ah bah ouais, hein, YOLO quoi, comme il on sort, dit. Il sort bientôt ce clip, Lorenza? Ah bah ouais, il devrait sortir genre là, dans un mois ou deux quoi. Ah d'accord, ok, bah vous me dites pour le tournage. Ah bah avec plaisir, je vous tiendrai au courant monsieur Fab, et en plus les croûtes aussi, ils sont sûrement là. Eh bah c'est parfait, c'est les collègues, c'est parfait. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eh ben, Lorenza, ça m'a fait plaisir de vous... Ah, vous partez aussi? Ah, moi, je vais pas tarder à devoir y aller, hein, si une soirée... Ah, moi non plus, je vais pas tarder. Eh ben, Lorenza, on se voit pour le clip, alors? Ah ben, ça marche, monsieur Fab. Bisous. À bientôt. Oui. À bientôt, Lorenza. Pourquoi? Tu as tué quelqu'un? Oula. Comment ça, tu as tué quelqu'un, chérie? Oula. Bonne ambiance. Non, mais t'as tué quelqu'un au bord de la route, sérieusement? Qui ça? Je t'envoie quoi, la police? Les médecins, tu veux qui?
Non mais sérieux, t'abandonnes le mec sur le bord de... Et ma femme qui vient de tuer quelqu'un. Bon, moi je vais partir. Au revoir tout le monde. Au revoir, Kili, à bientôt. Kili, juste devant. Kili, bisous, la bise, gros. Ça fait plaisir de te revoir, toi et tes cheveux roses. Bisous, femme. On se revoit bientôt. Salut, Kili. Salut. Bon, bah, on aura loupé Miguel. Non, il va revenir. Femme, qu'est-ce que tu fais en peignoir? Je vais le chercher. J'ai la chlamydia. Miguel. La chlamydia. Attendez, je pensais qu'il fallait pas que je le dise à tout le monde, et là vous le dites comme... Bah oui, mais il me demande, c'est personnel, là je réponds juste à lui. Oui, non mais d'accord. Bon bah écoute, hein, bah... Mais le dites à personne, te... hein. Ah, Lorenza et vous non plus, hein. Non mais je vais dire à personne que vous avez la chlamydia. Et en fait, qu'est-ce qu'on... Parce que la police elle est venue là parce que c'est un terrain privé, c'est ça? Bah en fait, il y a des gens qui travaillent ici et ils sont venus me voir pour me dire « on travaille ici quand même ». D'accord. Et donc en fait, c'est vrai qu'il faudrait pas qu'on les dérange non plus. Je sais pas, moi je suis tombé dans les vapes, je me suis réveillé sur l'autoroute. Pourquoi qu'on est là en fait? C'est une bonne question. Eh bah c'est Monsieur Donatien qui voulait... Ah, pour... bah oui, normal. Célébrer ça dans les vignes. Ouais. Bah écoutez... Tant mieux pour lui, hein. Bah, du coup, ça a alerté toute la police et tout le tintro, donc bon. Par contre, les mecs du Béniz, je savais pas que vous aviez un compte chez eux. Oui, on paye pas. La bouffe, c'est pareil, on paye à la semaine. Ah, c'est ça, vous payez à la semaine. Oui, c'est pratique, ça permet d'éviter, tu vois, tous les frais de ce soir, ils vont tout noter, puis on paye plus tard. Oui, c'est pas con. On blanchit un petit million, on paye d'un coup, fin. Ah ouais. Un petit million. Oui, petit. Ouais bah, le moment que ça me... Le moment que ça paye les factures, hein. C'est ça. C'est essentiel. Oh, c'était une chouette soirée, hein. C'était une chouette soirée, c'était sympa, hein, tout ça. Vous avez mis les petits plats dans les grands, hein. Bon, bah tant mieux, alors si ça t'a plu... Ah ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Oh, c'est sympa de revoir vos bouilles, quoi. Ah, ça fait toujours plaisir de revoir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps, hein. Ah ouais, c'est ça. En plus, cet temps d'amour, ça se fête quand même, hein. Ah bah, de fou, et dans 6 ans de coma, quand même. Ouais. Et surtout qu'à la base c'était juste un plan de cul. Ah. Ah, j'avais pas cette info. Moi, Bah, c'était quand même assez vite, vous êtes entendu fort, non? Et à partir du moment où je l'ai écrasé, oui. Ah. Oui, voilà, c'est ah ça. Oui, c'est oui, en fait, fusionnel, au premier paf. Quoi. Oui, au premier paf. Non, à la base c'était. Je veux sortir ensemble. Et après c'était on se marie. D'accord. On se souvient, il m'a fait chier avec ça, Miguel. Oui, je voulais marier tout de suite. Si, je me rappelle. Oui. Comme quoi, hein, c'est... Oui. Oui. Ça va d'ailleurs, vite, quoi, Miguel, les relations. Oui. Tu te souviens, c'est toi qui avais payé le mariage ou c'est moi? Je m'en souviens plus. Toi. Le premier. Oui, c'est toi. Ah oui, c'est moi, ouais. J'ai oublié. Oh, il est... Le curton, on a des nouvelles du curé ou pas? Non, j'ai essayé de la voir, je voulais le voir, mais t'es pas disponible. Ah, c'est dommage. Kim, ça va? Avec la paroisse. Oui, c'est un peu la course, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Bon, monsieur Miguel, j'ai peut-être écrasé quelqu'un devant l'entrée. Ah putain, faites une connerie. Toi, Kim, t'arrêtes pas de faire n'importe quoi. C'est Pablo qui est venu me voir pour me parler de ça. Ah, Pablo, ça demande. Il va bien. Très bien, tu as dit quoi? Non, il a pas du tout fait ça. Il va très bien, les médecins sont arrivés, tout va bien. D'accord. Ok, d'accord, Kim. Kim, je peux t'épouser. Et hop. Tu as pu avoir un taser? Alors, justement, monsieur Fab. Non. Miguel m'a dit que la dernière fois, c'était mal passé pour vous. Dites-moi. Il m'a dit que ça vous a créé des problèmes de santé. Vous saurez nous dire que combien on aligne chacun son autre casier? Il m'est arrivé effectivement d'avoir quelques problèmes avec. Maintenant, je sais me gérer et je me sens capable là de recevoir juste un coup. C'est... Non. Ça marche, donne le taser à Miguel, vous faites ça tous les deux? Ah oui. Je voulais le faire avec Tim. Je peux le donner à Tim si vous voulez. Une ou deux fois. Mais j'aimerais en parler à Miguel. Miguel, oui. C'était très inquiet par rapport à ça. Bah moi j'aurais bien aimé savoir. Je peux le rassurer. Je peux le rassurer s'il faut. Hein. Bah n'hésitez pas à aller lui parler, monsieur. Mais après on voit si je donne le taser ou pas. Et demain on fait ça. Et demain on vient vous voir pour ça. Il était très inquiet, il tient vraiment énormément à vous. Et moi aussi, je tiens à lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prendrais pas le risque si vraiment c'était...
Bref. Je sais bien, monsieur Fauve. Je vais aller le voir. Ça marche. Voilà. Thierry, c'est officiel. Lorenza et Pablo vont se marier bientôt. Hein ? Ils viennent faire sa demande. Mais. Lorenza. Mais. Miguel. Ça se demande. La genoux. Elle a dit oui. Mais. La centrale bon coup. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il est complètement cannibale, l'autre. Oui, mais ça vient de se passer. Il mangera pas elle. Qu'est-ce qui se passe ? Miguel. Oui ? Est-ce que tu me fais confiance si je te dis qu'un coup de taser, ça me fera rien ? Je te fais confiance, oui. La dernière fois que j'ai eu des complications, c'est parce que j'en ai eu beaucoup, beaucoup, un peu de mais temps. Mais qu'un seul. Qu'un seul, il n'y en aura qu'un seul. Oh, moi, j'aimerais de rire. Et je vais. Hein ? Et tu viens ? Ah. La police, à côté. Si je mets un coup de taser, je vais finir la revue. Mais quoi ? Je voudrais partager ce dernier moment avec Tim, qui veut lui aussi un coup de taser. Tu penses que c'est possible ? Bah, j'ai pas de coup de taser, mais il est ultimé. Il est pas rien, j'ai bah, attends. Tim ! Comment tu vas ? Écoute, moi ça va. J'ai un petit truc à te montrer avec Miguel. Ah bon ? Il y a Miguel et moi, on veut te montrer un petit truc. Ok. Ça vous dérange pas, monsieur, que je vous emprunte le team ? Oh non, 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 parce qu'il était tout seul, en fait. Oui, il était assis sur les marches tout seul, puis il est venu ici tout seul. Alors je me suis dit, j'allais l'accompagner, quoi. Ah, vous êtes une belle personne. Hein. Oh, non, non, mais voir des gens seuls, ça me fait de la peine. Faites quoi dans la vie ? Moi ? Ouais. Gangster retraité. Ah, vous êtes... Lenny Johnson. Tu as pas vu son tatouage sur les joues ? Ah, Tim Donna, je vais me marier ! Vous mettez des rires ? Ouais, comment ça ? Ah bah c'est Fabio, il m'a fait sa demande en mariage. Bah, bonne chance avec elle. Non, par contre, Lorenza, ça c'est... Et... C'est donc là, vous êtes en train de me dire... Non mais c'est pas dire, non mais c'est une blague ! Tim, tu sais qu'il y a un monde où l'avion il part sans toi, hein. Bah je me fous, je reste là. Pas les pièces détachées. Non mais moi de toute façon je comprends. Ouais. Lorenza, depuis qu'on s'est rencontrés, je ne vous ai jamais compris. Mais toujours apprécié. Ne lâchez rien. Ah bah, je sais pas comment le prendre, hein, là c'est... Mais décidément, les émotions ce soir sont compliquées, hein, pour tout le monde. Ah c'est... Je ne vous ai jamais compris, mais j'adore ce que vous... Oui, il est en plein traitement, il est en plein traitement. J'ai la chlamydia, bon. Tu peux pas... Oui, bon. Hein, j'ai cru comprendre. Merci, je suppose, du coup. Bon bah, bonheur à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Fab ? Du coup. Ah, j'attendais Miguel pour le coup de... pour le taser. Hein. On a envie, Kim, d'aller en haut d'une colline, Tim et moi, et de se taser chacun notre alors, tour. Oui, vous pouvez, mais par là. Comme ça, le bâtiment vous cache. C'est parfait, par là. Mais par contre, faut que je donne le taser. Ah, c'est mieux, pour se taser. C'est plus pratique. Tu es toujours sûr de vouloir le faire, Fabs ? Pas que ça te fasse de mal ou quoi ? Y a pas de raison que ça me fasse du mal, on est à Los Santos. Ce qui se passe à Los Santos reste à Los Santos. Dès que je rentre en France, j'arrête ces conneries. Vous pas ? Mm-hmm. Vous venez pas ? Oui. Bien sûr. Mais je comptais vous donner le taser juste derrière et après vous laissez moi. Ah, ok. Mais par contre, faites attention parce que la pente est très raide. Ah, je. Derrière le mur. J'ai des difficultés à courir, je peux quand même monter. Vous pouvez sauter ? Non. Ah ! Ah ! Ça va être acrobatique. Je vais bien y arriver. Alors, j'ai juste une question, Tim. Oui ? Si je vous donne ça. Non. Oh là, oui. Est-ce que vous arrivez à en faire quelque chose ? Oui. Oui, je pense bien, oui. Oui, oui. Je peux essayer moi aussi, voir si j'arrive. Alors. Oui. Je vais te le donner. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout de suite. Bien sûr.
crois qu'elle a mis la super glue dessus. Ah. Kim, tu as mis la super glue dessus. J'arrive pas à passer le taser. Ah bah non. Attendez. Bah oui, mais ça va pas être possible si t'étais. Vous avez une très bonne idée. Oui. Mais cette idée, elle est armée. Je crois qu'on se comprend mal. Ça peut être long, là. Oui. Oui. Ah oui, ah, ok. Miguel. Je vais tellement dormir. Fatigué. Merci pour tout, Miguel. Merci à toi, FOP. Tu fais attention? Je te promets que je ferai attention et je te remercie pour tout. T'es vraiment... T'es une magnifique personne, même si tu vends plein de drogue à plein de gens. En ce moment, c'est plus les blanchiments d'argent. Même si tu blanchis plein d'argent. Et même s'il y a... Il y a plein d'impôts qui passent à la trappe à cause de toi, t'es une belle personne, Miguel. Merci. Merci à toi, Foubé. J'espère te voir bientôt. Moi aussi, j'espère te revoir à bientôt, Miguel. Kim, à bientôt. Oui. À bientôt. Merci, Kim. Merci à vous, monsieur Foubé. Merci d'être venu. Merci à vous pour la soirée. Merci beaucoup, Kim. Chérie, on se rejoint à la maison. À très vite. Mais chérie, tu rentres comment? Je trouve un petit vélo de course. Mais j'ai le Camacho, je leur dis au revoir et j'arrive, faut que j'aille me coucher. Ah, c'est vraiment le plus joli. C'est vraiment le plus joli couple de l'histoire. J'en peux plus. Ils sont trop beaux, Tim. Bon, vous prenez soin de vous. Merci d'être venu. C'est le plaisir. Merci. En espérant ne pas attendre 7 ans pour se revoir cette fois-ci. En espérant aussi, ça m'a fait plaisir de passer à Los Santos. Vous avez l'air bien ici. On est plutôt bien installés. Mm. Merci. Bisous, Kim. Prenez soin de vous. Bisous, Kim. Toi aussi. Merci. Ciao. Tu veux qu'on monte là-haut? Je te propose d'aller en haut de la montagne. Je sais pas si je peux monter de mieux. Comme à la belle époque. Tu peux faire le tour ici. Faire le tour. Hop. Pardon. Ça m'a fait plaisir, Tim, de te voir un peu. C'est difficile, tu sais, pour moi. De quoi? C'est compliqué de dire ce que j'ai sur le cœur. Est-ce que j'ai l'impression que ce que j'ai sur le cœur, ça ressemble pas à ce que d'autres ont sur le cœur et ce que les gens attendent de moi, j'arrive pas à le donner. J'ai l'impression que avec moi, tu pourrais y arriver. C'est plutôt loin de la montagne, là. Ça fait peu de cardio. Oh, un peu, oui. Tim, est-ce que tu veux que je commence? Oui, je préférerais que ce soit toi qui commence. Tu peux y aller quand tu veux. Quand je veux? Quand tu veux, Fab, je te fais confiance. Je te préviens ou pas? Non, vas-y quand tu veux. Tim ? Wow. Ça faisait longtemps. Oh, je suis encore un peu sonné. Reprends tes esprits, t'inquiète pas. Wow, c'est tellement de bien. Ça faisait tellement longtemps, Fab. Le faire avec toi en plus. Oh. Tu es prêt aussi? Je
Je crois que c'est à mon tour. Tu veux que je fasse le compte à rebours ? Tu veux que j'y aille quand je veux ? Je veux bien que tu fasses le compte à rebours, ouais. Je dis le 3, le 2, le 1. Et je tire, je dis pas le go. Tu tires le 3, le 2 et le 1, et tu y vas. C'est bon, tu es prêt ? Je suis prêt. Trois... deux... un... Oh. 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 Ah. Tim... Bab ? Tim ? Je suis là. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Bisous. Bisous, Tim. Non, non, y a pas de scène post-générique, non. Non, non, non. Non, non. Arrêtez.
Même pas un petit flash mob. Non. Arrêtez. Non, ben, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup, c'était très particulier comme exercice en vrai, je pense, pour tout le monde, parce que c'est dur de faire revivre un personnage juste pour une soirée avec d'autres personnages que tu reverras probablement jamais, qui eux en tout cas, eux te reverront jamais, donc c'est pas simple du tout en vrai. C'est vraiment pas simple. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment agréable, j'ai kiffé refaire du RP, même si, encore une fois, c'est difficile parce qu'en fait on construit pas grand chose, vu que de toute façon il se passera rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas... Enfin, demain, il va pas se passer d'autres choses, quoi. Il faut un peu une fin, un début, mais en même temps, on est là qu'une soirée, c'est vraiment pas simple. Mais c'était cool. C'était cool. J'espère que vous avez kiffé aussi. Même si... Coucou. Même si... bah voilà, c'était peut-être un peu... Non, j'allais dire un peu court, mais en vrai, non. Non, j'ai kiffé. J'ai tellement ri. C'était drôle. On reste quand même jusqu'à la fin pour être sûr qu'il n'y ait pas de scène post-générique. Non, il n'y aura pas. Et en fait, à la fin, je vous voyais, j'ai capté un peu dans le chat que vous étiez en mode « Mais attends, Fab va mourir. » En vrai, j'y ai pensé, mais... j'y ai pensé il y a quelques jours, mais je voulais pas vraiment, je savais pas trop comment amener ça. Tu vois, je savais pas trop. C'était limite, bah la preuve, vu que vous en avez beaucoup tous parlé, je me suis dit que c'était un peu trop facile peut-être aussi de juste le faire mourir en mode voilà quoi. C'était un peu simple, en vrai. Donc j'ai préféré aussi pas faire ça, laisser un truc aussi ouvert avec Tim, même si... Je sais pas si vous avez capté, mais même si Fab, en vrai, il est pas intéressé par une relation avec Tim, vous voyez ce que je veux dire? Genre il est pas intéressé par un truc avec Tim spécialement quoi, en vrai. Le pétard qui m'a tué, non mais c'était compliqué, en vrai il y a eu pas mal de petits bugs comme ça, c'est vraiment pas simple hein, parce que dans ces moments, je savais pas quoi faire en vrai, c'était trop dur, je savais pas quoi faire, mais c'était rigolo. Quoi qu'il arrive, c'était une soirée, on va pas se mentir, hein, c'était une soirée 100%, c'est une soirée très fanservice, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les personnages pour l'anniversaire de mariage de Miguel et Kim, c'est une soirée où le but c'est revoir des persos, réentendre des punchlines et tout, c'était un peu le but et c'était cool tu vois. C'était cool. Pour le coup, t'es juste mort de soif. Oui, je suis mort de soif, moi, c'est vrai. T'as explosé de rire au pétard. Ouais, mais j'étais mute. J'ai explosé de rire avec vous parce que c'était extrêmement drôle. Mais j'étais mute dans le jeu, vous en faites pas. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. J'espère quoi qu'il arrive que vous avez passé une bonne soirée. Moi, je vais vous laisser là, évidemment, pour la soirée. En plus de ça, demain, en live toute la journée aussi. Et puis demain soir, sur la chaîne de Rivendi pour du JDR. Du GDR d'ailleurs avec Ultia Rivendi, vous avez l'habitude, mais aussi Baguera, donc ça va être très cool aussi. Je suis très content. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va raid une chaîne comme d'habitude. Évidemment, moi je vais me reposer, merci beaucoup. Demain on débriefera beaucoup plus en profondeur. Là c'est vrai que je suis un peu aussi dans la fatigue du truc, dans le truc, donc ça va être compliqué. Mais demain on va débriefer un peu plus, enfin débrief. On n'a pas des milliards de trucs à se dire non plus, mais voilà, vous faire part aussi de mes sensations pour que je puisse lire aussi les vôtres et tout. Quoi qu'il arrive, moi j'ai passé une bête de soirée, c'était trop cool. Vraiment, ça fait trop plaisir de faire du RP. Des fois, pendant la soirée, je faisais que me dire... Putain, en vrai, c'est cool de faire du RP. Mais c'est cool aussi, nous, parce qu'on le fait de manière ponctuelle. Moi, j'arriverais pas à faire du RP genre tous les deux jours, tu vois. Vraiment, ça me ferait péter un plomb. Alors qu'une fois par semaine, ce serait cool, mais... Ça semble pas possible quoi. Enfin bref. Voilà. Quoi qu'il arrive, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup. Évidemment, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, réabonnées, mis des messages pendant tout le live. C'est le genre de live où on n'est pas ensemble, j'ai envie de vous dire. Mais quoi qu'il arrive, le but c'est de vous envoyer aussi un petit peu de divertissement et puis de l'émotion. J'espère que vous en avez ressenti un petit peu. Inférieur à 3 à toutes. C'est exactement ça. Je vous fais des bisous. Et je vous donne rendez-vous demain à 11h, ici même, pour du multigaming avec tous les potes et tout. Puis on va débrief quand même un petit peu, parce que même moi j'ai envie d'en parler un peu, mais à froid. Donc je vais dormir tranquille et on en reparlera. On va peut-être raid la matraque s'il reste en live. Moi je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi. Et passez une excellente fin de soirée, une excellente nuit. Bisous. Ciao, ciao. Salut.